Bon, quel item qu'il te faut? Je vais écouter qu'est-ce qu'ils disent, puis je vais checker ça. Ok. Kann das Militär den Verlust nicht verkraften? Ist das Militär pleite? Das sind die eigentlichen Fragen. Scheiße. Du hast recht. Ich habe gesehen, wie einer zerstört wurde, aber damals landete er einfach auf dem Müll. Das Militär so knapp bei Kurzweg ist, dass wir Teile aus Kampfzonen bergen müssen. Tja, das wird ja nicht gut sein. Das ist ja weg hier. Aber das solltest du für dich behalten. Wir sollten nicht noch mehr Unruhe in diese unsicheren Zeiten bringen. Wie schaut Liz da hoch? Aucune de ces options. Le prochain, ça va être probablement soit Far Cry Primal ou soit Wasteland 2. J'ai encore Far Cry Primal et Far Cry 5 à faire dans la liste des Far Cry. New Dawn, je l'ai pas, fait que je sais pas le faire. Bien sûr. C'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais ça le faire, là, mais... T'as pas accroché à Primal? Ouais, il y a une couple de personnes qui l'ont pas aimé. Moi, je l'avais joué un peu. Puis... J'avais été distraite par autre affaire, mais j'avais quand même aimé ce que j'avais joué. Ouais, c'est beaucoup ramasser des collectibles, des choses comme ça. Est-ce que je suis tué avec ça? C'est genre faut qu'il soit à terre ou? Tu peux-tu regarder en terrain? Les historiens? Les doigts, les trucs. Parce qu'ils disent le finisher de ça, où je fasse. Peux-tu descendre puis voir s'il y en a un avec le Battle Walker? On dirait pas. Ouais, ben c'est ça que j'avais bien aimé de Primal, c'est que tu peux apprivoiser des animaux puis les utiliser pour qu'ils t'aident aussi. Mais j'aime bien les primals tout court, moi, fait que ça... Ça aide. Faut leur donner un coup de pied avec. Ouais, ben je sais pas, je pense que je vais plus lancer une hatchet si je fais mêler. C'est vrai. Tu montes sur le dos de ce qu'il y a chez toi, petit. Au lieu de te donner un morceau de viande, il donne un café. Hey boy! Elle se ferait écraser rapidement si j'y montrais sur le dos. C'est juste pour réveiller un café. Arrêtez de vous mettre dans le chemin de moi puis le dos, hein? Est-ce que t'es une femme faible? Non, plus que j'ai un bon surplus de poids, fait que je l'écraserai. Je suis une femme faible aussi, que t'as pas.
seulement. Un petit peu plus forte. Ça serait cool. Waouh. S'il te plaît, deviens pas aussi forte que ça. Quoique, si c'est ton rêve, go for it. Hein. Je vais te supporter. Hein. Thanks. C'est gentil. Ouais, l'autre jour. Quoi, je l'ai dit tu ou... Ouais, vas-y. L'autre jour, j'ai tué un doge, pis c'est comme il a explosé en mille morceaux. J'étais comme la chance que Terror était pas là. Ce qu'a dit va. C'est riche là, là. Ouais. C'est un beau surnom. J'allais voir s'il y avait de la vie qui traînait. Ah, de pas tout désormais de réalité. Salut Zod, comment ça va? Bonjour Zod. Red Fragmentation. C'est ben cool! Ouais. On va utiliser ça comme terme maintenant quand je fais exposer des personnes en mille morceaux. Mm-hmm. Des personnes ou des choses. Red Splody. Pour vrai, ça. Chanceux. Que t'as déjà une promo. Bonjour, chat. Il te restera à avoir quelqu'un à jouer avec. Je sais pas s'ils vont être PS4 puis PC, si ta partenaire... Ta partenaire était plus PS4. T'as déjà précommandé le collecteur de Rage 2? C'est top. C'est ma patte maintenant, pas la tienne. Je suis moyen que moi. Depuis un an. Il a l'air intéressant quand même, Rage 2. J'avais bien aimé le 1. Je suis allée sur PS3. C'était là que tu avais commencé à jouer un peu, il me semble. Ah, oh, ok, ouais. Fait qu'on n'avait pas encore l'Internet ici. C'est vrai. Ouais, t'as l'air d'être quand même bon pour ça, t'es rare. T'achètes comme quelques-uns en collecteur, puis. En collector edition, puis t'achètes pas, pas de plein d'autres jeux. Ouais, c'est ça, Rage 2, ça fait. C'est cette semaine, je pense. À peu près, qui a été disponible en précommande. Le sapin d'un fond du Mardi Gras dans la Nouvelle-Orléans.
Kevin, vieille madame qui disait qu'elle y va depuis 1895, puis elle ne manquera pas plus. Okay, c'est une ancienne professeure. Quoi qu'ils disent pas ancienne, là. Ouais, je présume qu'elle est ancienne professeure parce qu'elle a 101 ans. Puis son seul cadeau qu'elle désire, c'est que son petit-fils revienne à la maison de la guerre en Europe. Puis, dans le fond, le président, le mayor, Le maire. le maire, ouais, c'est ça. Le maire de la place, il disait que les citoyens avaient besoin d'un peu de lumière dans ces temps sombres de la ville, puis que ça allait faire du bien, dans le fond, au Mardi Gras. FPS sur PS4, tu me tues là. Il y a des personnes qui sont bien à l'aise avec la manette quand même, fait que FPS, ça dérangera pas trop, hein. Et je prends de luxe, mais avec 14% de réduction avec le capot. Comment ça, ils sont rendus pro pour les fâchés? Qu'est-ce qu'ils font? Il est mort, son petit-fils. J'ai-tu manqué ça dans l'article, ça le dit? Il semble que non. Bethesda, je j'ai pas eu de problème. Puis Ubisoft non plus, j'ai pas eu de problème. Mais j'ai pas joué. J'ai pas streamé tant que ça, là. Toi, t'as streamé plus que moi, là. Ah, ok, ouais, tu parles pour les captures d'écran. Ouais. Ouais, y a ça, Terra. Son petit-fils était probablement contre les nazis, puis il y a de grandes chances qu'il soit mort. Mon cœur s'est Kevin, arrêté pendant un instant. on n'a pas checké on était rendu à quel item. C'est vrai, hein, finalement. Je sais que les Far Cry pour sur YouTube sont vraiment. J'entends plein de musique copyright dedans. J'essaie de viser la voiture, OK? Fait que le gold, c'est le 40. Ok. La carte, j'ai juste ghetto qui manque. Concept, c'était le 39. Puis j'ai le toy aussi de max 12. Le temps il va être en arrière de Sound Trash. S'il y a de la trash un peu partout. After defeating all the enemies, look behind some trash at the far right end of the street to find this toy. Après avoir tué le commander? Ça dit juste ennemi, fait que je pense pas. Y a comme une bin bleue, une grosse bin bleue. On va y voir à gauche, au cas qu'il se trompe avec les directions encore. Ouais. Le concept. After finishing off the enemies, look inside the building on the left to find this item. C'est sur un shelf. Il y a comme un bureau au milieu de la place. Au milieu de la maison plutôt. La pièce.
comme. Un peu comme moi. Je suis pas trop pire pour les directions. Ça m'arrive des fois, là, comme tout le monde, je pense. Mais je suis pas trop pire. Genre pour gauche et droite, là, je veux dire, là. Je me perds super facilement, hein, sinon autrement, mais. Il faut jamais me demander des directions. Bon, ben, je pense que ça doit pas être du sud parce que j'ai été regarder dans toutes les traces bleues, puis. Maladie verte, ça va mieux, mon frère. Ça doit plus s'arranger. T'es rond. Surtout avec cette emote-là. Un junk box. Wow. Tu disais ça à cause du chat ou... Ouais. Okay. Le Max Toy, tu peux le prendre à partir du concept, je pense. Du quoi? Ouais, du concept. Du concept 39, fait que Ok. ça, c'est pas trop pire. Fait qu'une fois, je vais retrouver le concept, je sais qu'il est proche. Ouais. C'était où que tu disais le concept? After finishing off the enemies, look inside the building on the left to find this item. Attends, tu peux juste regarder sur ma vidéo. En boîte, c'est épique. Mais ils ont tellement changé ça rapidement à la dernière minute que y a des personnes qui ont pris des photos, puis t'es capable d'enlever le sticker en arrière de Epic, puis tu vois encore l'affaire de Steam. Sur PS4 ou attendre un an pour qu'il soit sur Steam, mais ça sera pas physique. Fait que c'est quelqu'un qui disait dans le fond que son père lui avait dit qu'un homme devient toujours illuminé dans le caractère d'un homme devient toujours illuminé dans ses moments les plus sombres. Puis là, il demande, est-ce qu'il est illuminé maintenant? Puis là, il dit Joshua, je suis un monstre, j'ai fait qu'est-ce que je devais faire pour sauver mes enfants. Je t'entends encore crier. Mais là, le commandant, il arrive dans quelques minutes, puis il emmène mes enfants avec lui. Je suis sûre de ça. Donc, bref, je pensais qu'il doit avoir tué un de ses amis ou quelque chose comme ça à la demande du commandant pour avoir ses enfants. Mais il y a des fortes Non, chances. le code de Steam doit pas marcher, etc. Excuse. Qu'est-ce que tu dis? Il y a des fortes chances. Ouais. May I see the map, please? Ouais, probablement, Terra. Ok. Thanks. La plupart des items sont pas à cette place-là. Sont genre celles juste à ta droite sur le bout de la map, qui est encore grise. Là-dedans? Ou Ouais. voilà. Je peux-tu aller là? Non, bah. Par ici? C'est en passant par les tunnels. Disons que ça commence à frustrer pas mal de personnes, l'histoire d'exclusivité que Epic font, là. Il y a beaucoup de gens qui trouvaient ça intéressant au début quand ça a été annoncé parce que oh, ça donne plus d'argent aux devs, mais. Avec toutes les exclusivités qu'ils font sur une plateforme qui n'est pas encore prête à prendre plein de personnes,
Il y en a beaucoup qu'ils font maintenant. Même si Epic fait plus d'exclusivité, je prendrais même plus le jeu sur Epic. C'est trop de jeux tout en même temps. Ouais, il y en a beaucoup qui disent j'attends un an, il y en a beaucoup qui disent je vais pirater. Il y en a beaucoup qui disent j'achèterai pas tout court. Je m'en fous du jeu maintenant. Microsoft donne pas d'argent à leur studio. Exclusivité pour des consoles, je peux comprendre, genre justement comme Sony. C'est normal qu'ils font pas Sony, genre, tu sais. C'est plate parce que la majorité des gens pourront pas jouer. Mettons comme moi, là, des jeux qui sont exclusifs Xbox, j'en ai pas d'Xbox, puis je paierai pas, genre, comme 400$ pour jouer comme un jeu, genre. Fait que, tu sais, c'est sûr que côté, genre, faut que t'achètes la console pour le jouer, je peux comprendre que c'est vraiment plate. Mais en même temps, je comprends qu'ils vont faire des exclusivités juste pour eux, pour justement essayer d'attirer du monde, pour faire comme, hey, si vous voulez nos exclusifs, achetez notre console. Tu sais? Mais l'affaire avec Epic, c'est que c'est des jeux qui sont même pas à eux. C'est juste comme les affaires comme Ubisoft ou des trucs de même, là, comme Origin ou. Tu sais, je pourrais comprendre qu'ils mettent leurs jeux exclusifs juste à leur launcher. Ça serait chiant de devoir aller sur un autre launcher. Puis de pas tout avoir réuni dans la même librairie, mais je comprendrais. Ouais, il y a beaucoup de jeux de PlayStation qui sont sur les deux maintenant. C'est ça qui est fun. Ou de d'autres consoles, de Xbox aussi qui sont sur PC. Halo Collection arrive sur PC Steam. C'est vrai, j'avais lu une affaire qui parlait de collection d'Halo. Ouais, c'est un bon exemple quand même, Terraria, ça. C'est comme si tous les autres jeux d'une série, tu les as sur un launcher, c'est sûr que tu vas aimer mieux avoir comme le prochain sur ce launcher-là aussi. C'est comme. Genre, ils auraient décidé avec Youngblood de le mettre juste sur le launcher de Bethesda ou le mettre sur Epic. C'est comme. Mais j'ai tout mis Wolfenstein. Metro, j'ai fait exception parce que c'est. J'avais vraiment trop hâte de le jouer, tu sais, c'est quand même. Ça fasse Mais un bout qu'il attendait après. c'est ça, mais c'est le seul jeu que je vais faire exception. Les autres, c'est comme. Non, j'aime mieux avoir comme ceux d'une série tout à la même place. Hein. À moins que tu reviennes à vraiment pas avoir le choix, là, mais. Tu peux pas tester les 30% de cash en plus de Epic. Splash de Mage, ça me dit rien ça. Les Halo, par exemple, je sais que c'est un bon classique. Mais que je regarde si ce serait un genre de jeu qui m'intéresserait. Je n'ai jamais joué, puis j'ai jamais vu personne y jouer, fait que je pourrais pas savoir. Bethesda, ils ont dit stop aux activités sur leur launcher. Oh, c'est cool ça. Ah ouais, Zen? Moi, j'avais surtout peur qu'ils deviennent sur Epic. Puis encore là, on le sait pas, hein. Regarde avec Metro, puis plein d'autres jeux, là, ils ont été pendant je sais pas combien de temps sur Steam, puis ils se sont fait choper pour aller sur Epic seulement. Faut dire merci à Fallout. Ça doit dépendre, Néo. Ils doivent avoir que c'est eux qui vont chercher, puis s'ils donnent assez d'incitatifs côté argent, ils vont accepter, là, tu sais. Mais oui, il y en a beaucoup que c'est le publisher qui va décider d'aller. En exclusivité. Ouais.
limite. Nom nom. Parce que moi, la seule affaire que je trouve surtout plate là-dedans, j'en parlais justement avec une de mes sœurs tantôt, c'est comme Epic se prendre genre pour comme aider les développeurs, genre c'est comme oh, on va leur donner plus d'argent puis tout le kit. Mais ils ont tellement frustré les gens en faisant les exclusivités de même que les gens, ils, même si c'est les publishers qui ont décidé la majorité d'aller pour Epic, les gens s'en prennent aux développeurs puis ils achèteront pas leur jeu ou ils leur disent plein de bêtises. Mais trop, ils ont même été les personnes jusqu'à aller critiquer l'auteur des livres, là. Puis aller sur Steam pour les anciens métros pour donner des reviews négatives. Vous comprenez pas tant. Est-ce que t'as une autre façon d'expliquer le voir? Ouais, on est où? Ouais, ça, c'est vrai, Néo, ça n'a jamais été comme spécifié qui donnait comme un incitatif côté monétaire pour comme revenir sur notre launcher. C'est plus la perception des gens qui se disent ils doivent en avoir un pour qu'ils décident de faire le bon de aller sur Epic puis comme bloquer toutes les autres plateformes. C'est vrai. C'est juste, ça n'a jamais été dit clairement qu'ils le faisaient. Ils ont une charte commune pour tous, ok? Ouais, pour le Unreal Engine sur Steam, ça te coûte plus cher, je pense, quand tu utilises ça, même, d'être sur Steam. Puis Epic, il donne un bonus de plus. Ben, ça dépend. S'ils pensent vraiment qu'ils vont faire plus d'argent, puis surtout que Metro a vendu mieux. Metro Exodus a vendu mieux que l'autre Metro, apparemment, sur Epic, que Metro Last Light. Bon, il y a beaucoup d'années de différence. Moi, je trouve que ça se compare pas vraiment, là. S'ils considèrent qu'ils vont gagner plus d'argent pour vrai, ils n'ont pas besoin d'avoir un chèque pour être incités. Donc, quelqu'un demande l'exclusivité. Need more info. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'il montre pas visuellement nulle part qu'il demande, mais veut pas, c'est comme plusieurs jeux qu'ils font quand même. Que tous les développeurs décident de faire exclusivité juste sur une plateforme. C'est dans la voiture, je voulais faire. Of course.
Ils ne sont pas venus m'attaquer, ce coup-ci. On se plaint pas. Mais c'est bizarre.